nous sommes champions du monde. Donc dans notre catégorie, on a Geno Kata, moins de 23 ans. Alors aujourd'hui, s'est déroulé mardi 26 les championnats du monde en Nage no Kata moins de 23 ans du Nage no Kata pour notre part, qu'on a participé. Alors ce matin, on a eu les tirages au sort, on devait passer vers 12h30. On a fait les réglages qu'il y avait à faire pour les phases préliminaires, c'est-à-dire les qualifications. Vers midi, on a eu les résultats. Du coup, on a fait les deuxièmes de notre poule. Donc pour les finales qui se sont déroulées vers 16h, on a fait les corrections qu'il fallait. On a été contents de nos prestations, même si on sait les erreurs qu'il y avait le matin, on les a corrigées pour l'après-midi. Et on a été satisfaits de ce qu'on a rendu. Nous sommes champions du monde, donc dans notre catégorie en Nage no Kata, moins de 23 ans. C'est une fierté pour nous, on est très contents. On est resté concentrés depuis le début de la matinée dessus. On est arrivé deuxième, comme Victoria l'a dit, en début de matinée que dans les qualifications. Donc il y avait 11 points d'écart avec les Russes, ce qui est assez conséquent. Mais on n'a pas lâché, on a travaillé dur mentalement et physiquement pour récupérer ces points perdus et de faire notre meilleure prestation. Et très clairement, on a tout donné. On s'est senti très bien après la prestation, on ne regrette rien. Et le résultat est tombé et ça a payé. Donc on est très contents. Nous présentons demain donc dans le Katame no Kata. Moins de 23 ans toujours, donc les katas du contrôle au sol. Donc voilà, on espère vous annoncer de bonnes nouvelles demain. Voilà. Il y a de la concurrence, donc on va aller se reposer. Voilà, c'est ça. Allez, à demain. À demain.